Je viens de créer mon nouveau site internet avec Wix. Je vais vous montrer. Comment allez-vous aujourd'hui? Je sais, c'est un live un petit peu à l'improviste, mais bon. J'ai un ami qui m'a dit. Enfin, j'ai un ami qui se reconnaîtra. Qui m'a dit. Faut que t'apprennes à prendre des décisions qui ne te font pas peur. Et bah, du coup, bah, je me suis dit, vas-y, je fais un live dans les 20 minutes qui suivent. Parce que j'en ai envie. Et de toute façon, là, j'ai envie de chill. Et puis voilà, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai taffé comme il faut. Donc, je m'accorde une petite pause. Donc voilà, nous allons jouer à Resident Evil Village. Parce que j'ai dit dans le dernier live, du coup, qui a été diffusé il y a 2 jours, 3 jours, je crois, où on a fait du dessin. Là, du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais. Prochain live, du coup, ce sera un truc jeu vidéo pour chiller un max. Et puis bah ouais, voilà, donc on va continuer Resident Evil Village parce que bon, il serait temps que je le finisse. Et puis j'ai pas envie de démarrer un. Salut, salut Delac, comment tu vas? Salut à tous ceux qui arrivent sur le stream. Merci beaucoup d'être venu malgré mon annonce quelque peu hasardeuse. Ouais, parce que j'ai pas trop envie en fait de démarrer un nouveau jeu tant que j'ai pas fini celui que je suis en train de faire en live en fait. À moins que le jeu me fasse vraiment chier et que. Ou alors que j'ai vraiment envie d'en faire un break parce que je me suis dit voilà, j'ai fait une overdose et tout. Non, non, là disons que Village c'est vraiment parce que je veux me venger de l'affront que j'ai eu dans mon tout premier live Village sur mon ancien PC où j'ai pas pu le faire tourner à partir du moment où j'arrivais au château Dimitrescu. Donc bah, voilà, j'ai envie de le terminer avec vous en live. Malheureusement, mes réactions ne seront pas authentiques parce que bah, je connais déjà le jeu, j'ai pu le faire avec mon ancien PC, mais avec des graphismes très bas et il fallait absolument pas que je sois en stream. Mais du coup voilà, là c'est. Mais j'ai envie de revivre au moins l'expérience, au moins faire semblant avec vous. De toute façon, il y a de fortes chances à ce que bah, ma réaction soit semi-authentique parce que disons que cette fin, bah, depuis que je l'ai eue il y a environ un an, bah, j'ai quelque peu eu envie de l'oublier et du coup bah, je l'ai absolument pas revu sur YouTube ou quoi que ce soit. Vraiment, j'étais en mode je veux l'oublier. Alors je pense que dès qu'on va revoir cette fin, je vais pas être bien. Je peux vous le dire, je vais pas être bien du tout, je pense. Enfin. Bon, bien et toi mon bébou, ça va très bien, petit bébou. Enfin, non, pas bébou, Delac, toi, oh, je te respecte, toi, Delac, tu es un vrai tchad. Et vous tous dans ce chat, vous êtes des tchads. Mais le plus grand des tchads dans ce chat, c'est Delac. Il y aurait Arkadel aussi, mais je crois qu'Arkadel n'est pas là, il me semble pas qu'il est là. Mais en tout cas, s'il était là, bah, ce serait le deuxième gros tchad de ce stream. C'est toi le chat. Arrête de mytho toi, wesh. C'est pas parce que t'as 500 000 abonnés que bah t'es forcément supérieur à moi, hein. Bref. Alors, du coup, on va passer sur Resident Evil Village. Et comme un trou du cul, je n'ai pas démarré le jeu. Bon, c'est pas grave, on va faire ça va être rapide. Steam. Synchronisation de Steam Cloud. Je vais transmettre à Arki. Vas-y, fais-toi plaisir. Arki, c'est quelqu'un qu'il faut complimenter tous les jours. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, parce qu'il le mérite. C'est le dernier épisode? Je pense pas, non, il y a encore beaucoup de trucs avant la fin. Mais en tout cas, là, on va live jusqu'à au moins 19 h, donc on va probablement beaucoup avancer. Mais là, de souvenir, il reste quand même pas mal de trucs. Donc, je crois qu'on est encore un tout petit peu loin de la fin, mais on n'est pas non plus super loin, hein, mais il reste pas mal de trucs. Donc, sauvegarde automatique. Ouais, je vais plutôt prendre la sauvegarde manuelle parce que je vois qu'il y a plus de temps sur celle-là. Heisenberg's Factory. Ça va du coup le son? Vous entendez bien le jeu? Ça a l'air de marcher de mon côté. Ok, donc on s'était arrêté là. Comment va ma santé? Je suis dans le mal. Ok, bon, on va acheter du soin à Duke. Ça va le son? Tout est nickel? De bazar. Bazar du grenier! Un choix intéressant. Vas-y. Faut bien les Ne faites utiliser au pas bout d'un attention à moment. moi. À la prochaine fois. Ok. Hop. Alors, du coup, voyons mon inventaire. Qu'est-ce que j'ai récupéré niveau objet clé? Clé du luthier. Ah oui, j'ai récupéré la grande roue dentée. Partie d'un mécanisme. Donc ouais, donc elle doit servir quelque part. Mais le fait est de savoir où exactement. Perso, j'entends bien.
Ouais, après là pour l'instant c'est calme, mais attendez qu'on soit en séquence de combat et tout machin, et puis vous me direz. De toute façon, moi, ce qu'il y a de plus important dans le jeu, ce que vous devez entendre de plus important, c'est les doublages. C'est les doublages et tout. Mais tant que vous entendez ça, moi, je pense que j'en juge que l'essentiel est là. Bon. Alors, par contre, je vous avoue, la grande roue dentée, je ne sais absolument plus où il faut la mettre. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, j'ai terminé le jeu. C'était quasiment à sa sortie, donc je me souviens pas exactement de tout. Et le pire, c'est que du coup, ouais, je devais faire le jeu. Je devais faire le jeu à genre 15 FPS, donc je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir. Voilà, tant que j'ai pas rallumé ce putain de courant, je vais être bloqué dans beaucoup d'endroits là. Son dessin, même la manette. Oui, non, mais depuis le début, hein, j'ai la manette là. Je l'ai juste grossi avant le stream là. Mais à part ça, elle a toujours été là. Je me suis bouffé le mur. Ah non, j'ai rien. Ah mais je vais revenir. C'est bête qu'il n'y ait pas de lampe torche par contre dans le jeu. De souvenir, il n'y en a pas. Dans Resident Evil 7, Ethan il avait une lampe torche et lorsqu'il y avait justement un endroit un peu sombre, il l'allumait automatiquement, mais là, il ne l'a plus, visiblement. C'est pas pour l'électricité. Il y a moyen que si, mais il suffit de trouver là où il faut la mettre, quoi. C'est la manette Super NES américaine. Non, c'est une manette. Quand je l'ai dessinée, en fait, j'avais pour optique en fait de refaire une manette une manette Pro Switch en fait. Oh, je me suis fait chier pour rien, putain, c'était un raccourci là. Oh là là, j'ai fait un méga détour pour rien. Oh, je suis censé faire péter ça. Est-ce que j'ai une bombe tuyau? Oh, j'ai pas de bombe tuyau. Oh non, je vais devoir gâcher une. Je vais devoir gâcher une grenade explosive là. Attends, je vais la crafter la bombe tuyau. Si, je peux la crafter. Nickel. Bah attends, je peux pas ouvrir. Ouais, non, je crois qu'il faut un explosif avec un couteau. Ça va être un petit peu compliqué. Ah, c'est juste un trésor. Pièce mécanique, cylindre. Ok. Et des cartouches de fusil. Ça, c'est bien ça. Salut Liam! Y a pas un petit peu d'éclairage quand tu passes dans des zones sombres? Peut-être, oui, un petit chouïa, mais pas ça qui va. Ah bah voilà! C'est là qu'il faut la mettre la roue! Eh bah voilà! Allez, rallume-moi tout ça là, que ça débloque beaucoup de. Oh oh! Rapport d'évasion dans la prison de Grindelfin Street, je répète, rapport d'évasion dans la prison de Dinofil Street. Quelle déception. Quelle déception. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Je suis vraiment, vraiment. Salut! Je l'ai passé en mode. Excusez-moi, je dois passer. C'est par là que je vais. Elle m'a forcé. Elle nous a forcé. Nous a forcé à être ses enfants. Elle nous a enfermés dans ce village. Des décennies à être un simple. Salut! Peux-tu seulement comprendre cette humiliation? Oh, dégoule. Ah oh, oh, mais il sort d'où? Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. Oh. J'ai donc besoin de plus. Pas très gentil. Assez de puissance pour pouvoir l'anéantir. Tout le fruit de ma puissance. Les forts écrasent les faibles, ainsi va le monde. Ouais, c'est comme ça que ça marche, ouais, dans la. Tu n'aurais jamais dû me dire non, Ethan. Je vais pas les attaquer parce que je vais juste gaspiller des balles en fait. Déjà que j'ai pas beaucoup de munitions.
T'aurais jamais dû me dire non, on dirait il parle. On dirait il parle, il m'a demandé en mariage, tu sais. Donc du coup ça va le son vu qu'il y a eu du doublage, un peu d'action et tout machin, vous aviez pas d'objection? Ça va faire boum. Si j'ai une petite remarque de ma parole, pas de soucis. Y'a pas un... une fête foraine. R8 a l'air d'être encore plus chaud que R... d'être encore plus chaud de R7. Quoi? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des bootlegs de Dame Dimitrescu? Sûrement, ouais. C'est chez Heisenberg, ouais. Non, c'est bon, tout est parfait. Ok, nickel alors. Vous m'envoyez rassuré. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui a là. Oh oh. Ah mais j'ai presque plus de balles moi, wesh. Attends. Oh, pas tu capa. Je suis pas mort. À quelle heure je suis pas mort? What? Oh le cul que j'ai! Bouge! Oh putain. Ok. Bon. Je vous propose de nouveaux services. Venez. Quoi, tu veux que je te suce la bite? Non, pardon, désolé. C'était très crade. Hop. Il y a encore du chemin. Ah bah ouais. Hein. Il y en a du chemin. Ça, ça me rappelle vraiment RE4. C'est vraiment cool qu'ils aient repris tous les bons côtés de RE4 et de RE7. Ils ont tout mélangé, ils ont fait un melting pot. Ils ont ajouté l'agent chimique X et ça a fait RE8. Alors, balle de fusil. Ah oui, c'est vrai que oui, du coup, j'ai les... Mais comment je fais pour switcher de munitions F? Mais ça marche pas! Ça marche pas! Bon! Y'a pas une autre arme que je peux utiliser, non? Ah, j'ai bien le sniper, mais je suis nul au sniper! Je suis nul au sniper! Nous ne sommes que des enfants! Oh, c'est pas qu'elle nous aime! Ça, non! Elle a perdu son humanité depuis longtemps! Avec le masque de pierre. Je dois l'anéantir. Tu vas arrêter de me saouler avec tes histoires de famille. Aïe. Ça fait mal là ce que tu me fais là. Aïe. Va-t'en. Ok. Hop. Viens là! Voilà! Bon, j'ai dit que je les affronterais pas, mais ils m'ont mal regardé. Ok, le masque de pierre apparaît dans R8, il me semble. Oh putain. Il y a moyen de... Ah,
J'adore comment c'est passé crème. Oh merde. Oh putain, je suis sûr il y avait des loot à récupérer, mais bon. Bite. Ok. Ouh. Attends, on va essayer avec le sniper. Sniper King, dégomme-moi ce torchon. Presque. Bon, je suis charmant. Hein. Pas avantagé. Ça va, le stream marche bien? Tout est nickel? Il y avait un giga pistolet qui jouait. Oh! Salut! Un autre modèle, ouais, je vois ça. Ah ouais, je vais y aller directement avec le fusil, je pense. Oh putain, l'autre était juste derrière moi, encore heureux que je l'ai remarqué parce que. Eh bé! Doucement, les mecs! Baisse ta garde. Oula, attends, il a un truc laser là. Vas-y. Putain, mais il faut combien de cartouches pour le buter? Putain, mais s'il faut tout ça pour en tuer un, j'imagine pas combien il en faut pour en tuer trois. T'as encore eu que j'ai amélioré ma santé et la défense, hein, parce que putain. Oh la vache! Tout ce qu'il m'a fallu pour en tuer un, quoi! Oh! C'est la merde. Oh! Oh! Vas-y. J'ai plus de cartouches. Oh la vache. Quel enfer! Il est où le troisième? Ah, il y en avait que deux? J'ai mal compté alors. Trois, il faut 100 cartouches Pokémon, n'importe quoi. Oh putain. Bon. Ok. Le 2. Et le troisième. Ah putain. Je veux des munitions, les gars. Faut que je trouve un moyen d'arrêter. L'argent, je m'en fous un peu actuellement. Comment je fais pour arrêter ça? C'est pas genre un. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois la petite lueur orange là. Minecraft a mal tourné. Voilà. Voilà. Oh, j'adore, ça fait des escaliers en plus. Non, j'en ai tué que deux. J'ai récupéré deux grands cœurs mécaniques. Donc ouais, en fait, il y en avait que deux. À recharger, tant qu'on a... Hop.
carte de l'usine, niveau supérieur. Et ben voilà. Ah, de la lecture. Alors. Comment ça va ici? Salut Khalil, comment tu vas? Ça va pas trop mal de mon côté. Alors, projet d'amélioration du soldat, nom de code, soldat jet. J'ai attaché un réacteur dorsal et des stabilisateurs à un soldat pour améliorer sa mobilité. Résultat, capacité de vol limitée, incapable de parcourir de longues distances, mais peut survoler des terrains accidentés. Projet d'amélioration soldat, nom de code, soldat Panzer. Excusez-moi. J'ai ajouté un blindage en alliage d'aluminium à un soldat pour protéger son réacteur thoracique et la partie exposée de sa chair. Résultat, invincible contre les armes à feu ordinaires. L'armure a tendance à se détacher en cas de choc important. Il faut poursuivre le développement. Ah ouais, mais c'est les trucs qu'on vient d'affronter en fait. Du fluide chimique, ok. Il y a des gens ils arrivent à faire des bruits de gouttes d'eau genre nickel. Je sais pas comment ils font. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça m'a l'air d'être la suite, hein. Je vais d'abord aller là-haut. Allez, des munitions. C'est un moule. Bon, j'en aurais besoin. Ah, c'est pour faire la boule du jeu. Voilà, c'est ça que je veux. Nickel. Salut, Oiseo. Et Oiseo. Comment vas-tu? Oula. Ouais, c'est trop fort là. La destination finale, je me faisais décapiter direct. C'est pas passé loin. Bon, pff. Ça va, tu t'en sors pas trop mal. Oh, un trésor. Un quartz. Why not? Ah, mais c'est de là d'où on vient. La ferraille, les pièces détachées et rien de ce côté. Ok. Il gueule beaucoup plus dans RE8. Après, il a raison, hein. Je vous rappelle que dans l'histoire, c'est un civil qui, c'est juste un civil qui a été, qui est confronté au virus et tout. C'est pas genre quelqu'un d'entraîné et tout comme les Stars ou quoi quoi. Oh là là. Les oreilles non, ça va. Bouton. Appuie au quart. Bouton. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Oh. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Essaie un peu pour voir. Cartouche de fusil. Je peux plus jouer au 7. Ma Xbox est morte. Ah, tu joues sur console? C'est pas chaud. Tu joues sur console? Arrête. Après, bon, si t'as pas le PC... Je comprends parfaitement. Oh, des grenades explosives. Oh, oh, oh. Va-t'en, sniper. J'ai plus besoin de toi. Voilà. Qu'est-ce que... Oula, j'ai fait une connerie. Ah oui, non, mais ça, c'est le fusil, tête de bite. Voilà. Ah,
Un civil qui arrive quand même à survivre à des tronçonneuses et à divers autres armes mortelles. Ouais, mais c'est un civil qui... voilà, il a... Je peux pas trop spoiler s'il y en a qui ont pas trop suivi l'histoire, mais voilà. Je connais RE grâce au crossover, bah, classique. Moule pour une clé, parfait. Ah bah ça doit être la clé pour ouvrir la porte avec l'emblème d'Eisenberg. Avec le cheval. Alors, grenade explosive, je vais la garder pour les gros fights. Ça continue. Et ça continue. Non, j'ai pas de référence avec. Et ça continue. Ah voilà, c'est pour ouvrir ça. Tu sais qu'il y a des films RE, malheureusement. Allez, on descend. Mon PC fait à peine tourner les Sims 4, donc RE, ah merde. Oui, non, mais j'ai regardé la vidéo de JDG sur les films RE, je me suis tordu de rire tellement c'était excellent. D'ailleurs, j'ai appris que Mila Jovovic, du coup, la meuf qui joue... Ah bah voilà. La meuf qui joue... elle, dans les films RE. Elle a joué aussi dans le cinquième élément de Luc Besson et du coup j'étais kécho quoi. Aïe! Pas gentil de faire ça. Ok, priorité, on fait d'abord la boule. J'ai pas le sens des priorités en fait. Hop. Faut juste survivre un peu plus longtemps. Aïe! Attends, c'est quoi? Boum! Boum! Et boum! Boum! T-bag, 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 T-bag. Ah putain. Je voulais pas les affronter, mais bon. Il ne m'en parle seul au choix. Alors attendez, parce qu'il y a une autre porte là avec l'emblème d'Eisenberg là que je voulais ouvrir. Qui je suppose doit donner sur quelques loot. Bah voilà, c'est celle-là. Hop. Clé d'Eisenberg. J'ai du soin sur moi. Ah merde, j'ai plus qu'un seul soin. Est-ce que je peux en crafter? Je peux en crafter. Je vais en crafter deux. On n'a jamais trop de soins. Ouh, ils sont 4. Il doit y avoir un sacré trésor là-dedans. Et là c'est de la merde genre un fluide chimique, tu sais. Bon, un fluide chimique c'est pas de la merde mais
Ah, je récupère pas mal de loot là pour crafter, c'est cool. Hop. Pièce mécanique arbre. Ah, c'est pour je vois ce que c'est. C'est truc combinable, attends. Laisse-moi voir. Non, ça c'est objet clé, je suis con. C'est voilà, c'est ça que je veux voir. Pièce mécanique cylindre. Ouais, voilà. Combiné. Voilà, en combinant cela, on peut compléter le marteau. Voilà. Ah bah c'est le marteau d'Heisenberg ça. Je peux le faire pivoter. Il y a un truc. Il est complété. Marteau d'Heisenberg, un marteau géant fait de pièces de machine, objet de grande valeur. Banco. Bon, on va retourner voir le duc du coup. Il y a 4 monstres mutants à la hache, ils étaient charcutiers. Bah faut croire hein. Bon, pour savoir ce qu'ils faisaient avec ces haches, faudrait leur demander directement, mais bon, je les ai tués donc ça sera pas compliqué. Oh, vous êtes yanche les gars. Bah oui, bien sûr, on amène le papa. Bah oui, bien évidemment. Ah merde, je vais me coincer tout seul là. Oh oh. Excuse-moi, je passe. Aïe. Excuse-moi, je passe. Merci. Voilà, on va prendre le chemin inverse. Hein. On se fait pas yesh. Oh, mais c'est une farce. Mais vous me faites une farce, là. Allez, plus vite, là. J'ai bien fait de faire un soin en plus. Comment tu voulais que je tue ça, toi? T'es malade. Allez, vite, on se barre. Wouh! C'est Resident Evil Village. Excusez-moi du retard, merci dans cette stream pendant que je pionce. Y'a pas de soucis, Pyra. Je suis ravi d'être ton compagnon des rêves. Qu'est-ce que j'ai manqué? Pas grand chose. On avançait et on s'est enfoncé dans l'usine. N'hésitez pas à acheter un œil. Ah, c'est vrai que oui, du coup, oui, le fusil, je l'ai absolument pas amélioré vu que je suis une bouse en sniper. Ça, je te vends. Les cœurs mécaniques, je te vends ça. Grand cœur mécanique, je te vends ça. Grand truc de pigeon, bah écoute, je te vends ça. Hein. Vu que bon, bah c'est mort pour récupérer le collier, vu que c'était un collier de la d'une des meufs de. L'une des meufs de Dimitrescu. Le marteau d'Heisenberg, je te vends ça. Et après, bah c'est bon. Oh putain, le flingue, il vaut 100, 110 000. C'est cher. Hop. Oui. Splendide. Connaissez-vous sa valeur? Splendide. J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. Il y a la valise plus grande. Ah, il y a la mitraillette. Je peux pas la prendre. Ou le magnum. Ah, le magnum, je vous avoue, j'ai envie de le prendre pour la fin. J'ai envie de le prendre parce que je sais qu'il y aura un marchand juste avant le boss final. Et j'ai bien envie de prendre le magnum, mais genre à la toute fin. Genre, je voudrais en fait que le boss final, à la phase finale où je dois le canarder de coups, je lui canarde toutes les balles de magnum que j'ai trouvées au cours de l'aventure. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi cette petite merde là? 200 de puissance, c'est quoi ça? Un puissant pistolet mitrailleur entièrement automatique qui révèle tout son potentiel une fois modifié. Hein? Un pistolet mitrailleur. Attends, laisse-moi voir. 200 de puissance. Ne faites pas attention à moi. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Laissez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Laissez-moi voir ça. Examiner. Ah, 190 de puissance, c'est vrai, ouais, c'est... Est-ce que c'est rentable que je vende ce flingue pour prendre le pistolet mitrailleur? Et je l'améliore et ça nous fait une arme de main plus puissante.
Attends. Puissance 190, 0, 22, 2, 3, plus 8. Ah oui, oui. Parce que je connais pas ce flingue, je m'en suis absolument pas. Arme de poing, ouais. Ah oui, non, oui, il a l'air clairement plus puissant que. Il a 12 de capacité, cadence de tir, c'est 0,38 là, mon Lemmy, il est à quoi? Mon Lemmy, il a. Ah, mon Lemmy, il est à 0,22, ouais, techniquement, ouais, il a l'air plus puissant celui-là. Hein. Le flingue en question là. Le V61 custom. Est-ce que je fais ça? Parce que vendre le Lemmy. Le Lemmy, si je le vends, c'est plus de 190 000 lei. Hein. Le souci après, c'est que j'ai peur de plus avoir assez d'argent après pour prendre le Magnum à la fin, quoi. Donc. Attends, c'est 700 lei les munitions de Magnum? Ah non, ça c'est mes munitions de Magnum. Ok, je crois que je pouvais les lui acheter. Non. Ouais, voilà, c'est 110 000 lemmy. En plus, il est level 1, mate-moi ses stats. Ah non, ça a l'air d'être pour l'idée, hein. Bon, bah. Bon, alors. Je vais faire un truc avant. Au revoir. Juste sauvegarder avant. Voilà. Je vais me faire une deuxième sauvegarde. Voilà. Ah, c'est l'heure d'aller en cours. Désolé. Ciao, ciao, Duc. Désolé. Puis-je choisir quelque chose? On va faire ça. De toute façon, dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et puis, si on prend pas de risques dans la vie, c'est juste pas drôle, en fait. Allez, let's go. J'imagine que l'on peut... parler d'un adieu aux armes. Façon de parler, ouais. On va prendre du coup le... Ah mais il me revend mon flingue avec les mêmes améliorations et tout. Et en plus cher en plus. C'est espèce d'escroc, va. Non, du coup on va prendre celui-là, le V61 Custom. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Et on va voir quelles sont ses compétences. Oh putain, 50 000 pour améliorer la puissance de feu. Ah ouais. Bon, je vais voir d'abord ce qu'il vaut en pas amélioré. Et après, s'il y a vraiment besoin d'améliorer quelque chose, on y touchera. Mais en tout cas, là, de toute façon, là, une chose est sûre, c'est qu'il est plus puissant que le flingue que j'avais. Il est un peu plus... Enfin, puissance de feu et tout machin, enfin, il est plus puissant. Il est plus puissant dans tous les cas, donc ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Là, j'ai un flingue plus puissant. Avoir faim, c'est être en vie. C'est ça. Bon, alors on va faire comme ça. Hop. Merci de votre visite. Et ça prend des munitions de pistolet classiques, donc ok. Hop. Ouais, voilà, ça prend des munitions de pistolet classique. Ok, bon, c'est parti du coup. On va continuer. T'es vraiment un coriace, toi. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, c'est pas vrai? Il y a quelqu'un. Papa? C'est toi? Prototype Sturm, ou Sturm, je sais pas comment on dit. J'ai utilisé un turbopropulseur bon marché, mais la puissance du réacteur est peut-être un peu trop élevée. Il est impossible de le contrôler. Tout ce qu'il fait, c'est charger. Il a beau être complètement invincible devant, pardon. Cet imbécile a réussi à se couper les bras avec l'hélice. Ah merde. Ah, c'est pour ça qu'il a pas de bras, du coup, le machin avec l'hélice. Papa qui revient avec le lait, le fameux lait. Cet imbécile a réussi à se couper les bras avec l'hélice. Sans parler des problèmes de surchauffe quand il fonctionne trop longtemps. Conclusion, un échec total. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est bel et bien lui, ouais. Et il s'est coupé les bras, du coup, ce con. J'avais pas fait attention à ce détail. Attends, du coup, il faut aller où? C'est où la suite, là? Bon, bah, ok, bon, bah, hop. Des grenades explosives. Ah ouais, donc là, ouais, c'est... On ne rigole plus. Je crois qu'attends, là, si on met la map, il me semble qu'on va voir... Ouais, voilà. Ça, c'est le genre de salle qui pue. Boss fight. Pas qui pue, mais qui crie le boss fight. Ok. Bon. Et bah, c'est parti.
Laisse-moi tranquille. C'est pas papa. Oh. C'est vrai qu'il peut traverser les murs. Aïe 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 aïe. A fait bobo. Ah mais laisse-moi. Ok, faut que je le fasse casser les murs. Il faut que je le fasse casser les murs. J'ai besoin d'endroits pour. J'ai besoin de pouvoir bouger. Vas-y, on va voir ce que vaut ce flingue. Ok, c'est pas mal. Oh j'ai 70 balles. Où est-ce que je l'ai. Où est-ce que j'ai chopé ça? Ok. Hop. Vas-y. Vas-y, fonce. Allez. Ouh, j'ai bien fait de bouger. Boum. Boum. Je sais pas si la distance change quelque chose, mais bon. Dans le doute. Vas-y. Prends-toi ça dans la face. Vas-y. Il a pas aimé le T-bag. Ok. Surchauffe, surchauffe, surchauffe. Il surchauffe, il surchauffe. Aïe. Je crois que j'ai utilisé deux soins. Je crois que j'ai niqué deux soins. Ouais, j'ai niqué deux soins. Oh putain de merde. Oh! J'avais oublié qu'il faisait ça. Vas-y. Ah j'ai pas le choix là j'ai pas trop de. Vas-y. Je peux me crafter un soin là. Ouais, je peux. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Le cul, ça marche aussi. Je crois. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ça fait bobo, ça fait bobo. Je commence à devenir lent. C'est que je suis blessé. Allez, c'est bon là, il a fonctionné longtemps là, il est censé surcharger le machin de mes couilles là. Oh, il est coincé! Putain.
Mais meurs! Eh bah putain, enfin! Il revient pas. Oh, c'était quoi ce sac à PV, mon gars? Putain, encore que j'avais 70 munitions, parce que... Waouh! Cœur mécanique complexe. Oh, il a bougé. Pour je ne sais quelle raison. Wouh! Putain! Oh, excusez-moi, j'ai pas trop lu le chat. Le B... ne connaît pas le béaba des boss, toujours les garder dans son champ de vision. Ah bah ça, c'est moi, ça. Moi je fonce dans le tas, moi. C'est mon ventilo, il vient se venger. Bah, on les sollicite beaucoup en ce moment, hein. Normal qu'ils se rebellent. Dans les situations dangereuses, toujours T-Bag, c'est une règle d'or. Resident Evil, c'est pas des zombies. Là, à la base, c'est un robot. C'est, à la base, là, c'est un robot ventilateur cracheur de flammes. Je crois que c'est un zombie. Bah, c'est pas un zombie, c'est une arme machine, en fait. Enfin, c'est une arme humaine, en fait. Mais ça reprend le même délire, en fait. Prends le temps, mon dieu, il reste collé devant le boss, alors qu'il faut prendre le temps avec ce boss, ça me fume. Ouais, mais en attendant, je l'ai eu. Je l'ai fait au couteau, GG. C'est un vrai sac à PV, ce machin. Ah oui, non, ouais, c'était un sac à PV de ouf, quoi. Encore que j'avais récupéré 70 munitions, parce que, waouh. J'aurais vraiment galéré, sinon. Un cigare. C'est une blague, j'espère. C'est un objet clé. C'est un trésor. C'est un trésor. Cigare urbain, il a pris... Cubain, il a pris l'humidité. Putain, cubain, en plus, genre vraiment le truc le plus cher, tu sais. Il a pris de l'humidité, objet de valeur. Putain, j'imagine pas... J'imagine pas savoir combien il vaut s'il était moins cher. Bonjour ici. Je ne passe pas souvent, mais toujours présent. Même si là, je suis envahi de fourmis comme de zombies dans ce jeu. Ça, c'est fâcheux. Bah, tu sais, les fourmis, faut mettre un produit, faut chercher l'endroit où... Où a lieu comment dire. Parce qu'on a eu des invasions de fourmis aussi chez moi. Il fallait juste trouver l'endroit où ils se tairaient. Tu mets du produit et puis tu renouvelles ça souvent. Et voilà. J'ai tout fait, elles résistent. Ah merde. T'as essayé, genre, si tu trouves des fourmilières et tout. Parce qu'on a des... Vu qu'on a un jardin et tout, on trouve des fourmilières et tout machin. Ce que tu fais, c'est que tu balances de l'eau bouillante, savonneuse dans la fourmilière. Alors je sais, c'est un peu cruel, mais je vous rappelle que la fourmi, c'est l'insecte le plus répandu dans le monde. Donc franchement, c'est pas une fourmilière qui va changer le... T'as essayé le C4. Le C4 aussi, ouais, ça marche aussi, mais bon, c'est un peu radical. Et bon, ça casse un peu tout. Mais voilà, quoi. Mais de l'eau savonneuse bouillante, ça marche aussi. Il faut juste trouver la fourmilière et puis voilà. Sinon, merci pour ton 16e mois d'abonnement, Daikenzo. Merci beaucoup du soutien, ça fait plaisir. Miranda est ignoble. Sa fourberie ne connaît pas limite. Pas de limite. Il manque un mot. Bon, c'est pas grave. On est à 85% du jeu. On peut tolérer ce genre d'erreur. Pour elle, nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou. J'ai simplement eu de la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois. Elle ose encore dire que je suis son fils. Tu parles. Jamais je lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. N'importe quoi. Cette bonne femme a toujours eu une case en moins. Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. Si je ne la tue pas, alors je ne serai jamais maître de ma propre vie. Ceci dit, elle est peut-être folle, mais elle est aussi très puissante. Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au Mega Mi-7. La clé, c'est cette gamine, Rose. Si je pouvais m'emparer de son pouvoir, alors peut-être que... Mais j'y pense, son père Ethan a un corps plutôt intéressant, lui aussi. Je pourrais peut-être le forcer à m'aider. Non, ça marche pas comme ça avec Ethan Winters. Bon, du coup, ouais, conclusion, ouais, ce flingue, bon, il a été plutôt efficace, mais je pense qu'il aurait été mieux si je l'avais amélioré à donf. Mais bon, encore une fois, voilà, j'ai claqué la moitié de ma thune pour le prendre. Et comme je veux garder de l'argent pour prendre le magnum, bah, voilà, quoi. Bah, du coup, let's go, hein. De la ferraille. Tu feras un jeu de JDG. JDG a fait un jeu. Je crois que c'était une cinématique, je me suis arrêté du coup.
Ah, je connais cet endroit. Attendez, laisse-moi voir la map. Ah, on est de retour à là où on était à la base. Y a pas des loot? Visiblement non. Bon bah dégageons. C'est quoi? Papier aimant. Pas mal, pas mal, Ethan. Tu es tenace. Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin. Alors refais tout à l'envers. C'est le stand de prise électrique dans Stardust Crusaders. Encore. Encore, ouais. Voyons voir. Ah, voilà. Boop. Alors, je me permets une petite pause d'une cinquantaine de secondes, le temps que j'aille faire pipi. Je reviens. Alors, on reprend. Ça va, ça marche, ça a l'air de marcher. Je suis comme qui dirait bloqué. Enlevé. Eh, hey, ce flingue m'a coûté. Mais c'est même pas le même flingue! Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué ma femme, salope! Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler. Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe, putain? Explique, Chris, putain! C'est chiant, ça me frustre aussi, bordel! D'accord. Je te dois une explication. Bah, tu m'aurais expliqué dès le début, je pense que j'aurais pu mieux t'aider? Chris, il s'est pas expliqué. C'est frustrant de ouf. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane?
La moisissure, c'est le virus de R7. Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire. Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose, putain, faut qu'on y aille. Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un peu qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. Excuse-moi d'être le protagoniste, hein. Ok, bon. Alors. Oh, machine à sauvegarde, nickel. Hop. Parfait. Je vais voir s'il n'y a pas des loot d'abord. Voilà, genre ça. Une plante, nickel. Remède de soins. Escouade Hound Wolf. J'ai fait le tour de l'usine. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune preuve d'un quelconque lien avec l'organisation. Néanmoins, j'ai pu mettre la main sur un certain nombre de documents révélant quelques-unes des expériences de Miranda. Ceci confirme nos hypothèses. Apparemment, elle s'est infectée avec le Mutamycet, ce qui lui a conféré plusieurs habiletés, notamment le mimétisme. Elle peut contrôler ses cellules et se transformer en ce qu'elle veut. Miranda a pris l'apparence de Mia pour s'introduire chez les Winters. Il est clair que son but était de kidnapper Rose. Mais elle s'est peut-être dit qu'en ressemblant à sa mère, elle pourrait plus facilement prendre le contrôle de la petite. Quand on a lancé l'assaut, elle a fait semblant d'être morte en attendant une opportunité pour agir à nouveau. Elle a ensuite redonné vie à son corps dans le bourgeon et a tué tout le monde à bord avant de partir avec Rose. Les choses ne se sont pas passées exactement comme elle l'avait prévu, mais au final, elle est tout de même parvenue à ses fins. Mais nous l'arrêterons. Je vais faire exploser cette usine avant de vous rejoindre au point de rendez-vous. Heisenberg va sûrement se manifester, mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter. C'est une sorte de véhicule de combat fait d'un composite métal polymère insensible aux forces magnétiques. Le moment est venu de renverser la vapeur. C'est vrai ça, le composite polymère et tout machin, c'est insensible au magnétisme ? Si c'est le cas, c'est bien trouvé. Sauvegarde avec les loots que j'ai trouvé. Et bah c'est parti. Maintenir, ok. C'est en mode, t'es sûr que tu vas y aller? T'es sûr que tu vas y aller? Ah non, je sais pas. Bon allez, peut-être je vais y aller, hein, parce que bon, faut quand même continuer le jeu. Ah mais est-ce que je suis sûr? Est-ce que je suis sûr? Est-ce que je suis sûr? Ah non, je sais pas. Bon, peut-être, ouais, vas-y, allez, on y va pour de vrai cette fois. On y va pour de vrai. Ah non, attends, je dois faire une pause caca. Non, allez, on y va pour de vrai cette fois. Let's go. T'as déjà fait Cuphead? Ouais, j'ai fait les deux premiers niveaux, ça m'a saoulé, donc Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. Mais j'ai pas aimé Cuphead. J'aime beaucoup le style graphique et tout machin, mais j'aime pas le sound design, je n'aime pas la difficulté du le jeu, il est beaucoup trop compliqué pour moi, trop frustrant. C'est pas mon genre de jeu. Ça par contre, c'est le genre de truc qu'il faut me le mettre. La munition infinie, missile infini. Oh putain. Maintenant. Tu regarderas le DLC de Security Breach, on le fera. On le fera. Attends. Boum. On ne peut pas utiliser le canon quand il se recharge. Bon, on va attendre qu'il se recharge.
gros, t'es une merde quoi sur Cuphead. Je suis peut-être une merde. Mais moi, au moins, j'ai passé le tuto, mes amis. Allez hop. Tu n'es qu'un misérable capable. Tu penses pouvoir m'affronter? Oui. Ce sera mon échauffement avant de tuer mon con. Réfléchis-le. D'homme à homme. Ton cadavre rejoindra les rangs de ton armée. Essaye encore. Allez. Ah non, si je te tire dessus, c'est que je suis pas mort, quoi, du con. Je sais pas s'il y a un point particulier à viser, mais... Les bras là peut-être là, je vois qu'il y a du orange là. Ah, je peux lui exploser les bras. Oh oh, qu'est-ce qu'il fait là? Je vais t'écraser comme une fourmi. Oh là là, oh là là. J'en veux plus. Je sais ce que ça fait de passer toutes ces années sous la coupe de cette connasse. Mais si la joie... Je vise les points orange, hein, je me pose pas trop de questions. Eh, ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'il fout? Oula, oula. Oula, 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 oula. Oh merde, oh merde, oh merde. Tiens, canon dans ta face. Merde, on est tombé. Oh là 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 là! Ouh! Pas le zizi! Allez, bim! Dis au revoir à ton usine! Oh putain, on est. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde! J'ai presque plus de vie, on va se soigner! Ça y est, déloot, déloot, déloot! Ouais! Nous y voilà, les la dernière lutte! Qu'en penses-tu? C'est sans espoir. Oh putain, j'ai pas vu ce que j'ai récupéré. La chair et le sang n'ont aucune chance face à moi. Ce n'est pas David et Goliath. C'est Ethan et sa mort sanglante. Tiens! David et Goliath là, wesh. Tais-toi! Tais-toi et meurs! Pas du tout. J'en ai vu d'autres avant toi. Ciao. Dommage que je sois le seul spectateur. Oui, tu l'as déjà dit ça. Oh putain. Je sais pas si je suis lent ou si c'est le terrain qui est grand. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Il recommence son truc. J'essaie de m'abriter derrière un mur de métal là. Ah. Bon bah, j'aurais essayé. Ah mais il a tout sweep. Il a enlevé toute la possibilité de pouvoir se défendre. Ah putain. Lève-toi, lève-toi. Dommage que je sois le seul spectateur, mec, on est 44.
Allez, tiens. Meurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde. Ah, c'est scripté, c'est scripté. J'aurais vraiment dû accepter mon offre. Tu reverras ta fille dans l'au-delà. Le pouvoir de Rose sera à moi dès que j'aurai tué Miranda. Oh là. Yes. Ça y est, on a vaincu les quatre nobles. Plus que Miranda maintenant. Cerveau d'Heisenberg, c'est dégueulasse. Oh. Téléphone. Le téléphone sonne. Vous décrochez ? Ethan, ou je décroche ? C'est quoi cette explosion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord ? Ethan ? Rose ? Ethan, réponds. Mia. Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre état. Qui es-tu? Où est Rose? Miranda. Salope. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure? Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Va te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Mégamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Où est-ce que t'es? Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche! Allez, amène-toi! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Mégamycète. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. Putain, elle écrase mon cœur comme si c'était une éponge, tu sais. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Meuf, t'as fait une fausse couche, accepte-le et voilà, fais pas chier Ethan, salope, va. Oh putain, je déteste Miranda. Pyra, si t'es toujours là, je suis désolé, je la déteste toujours autant. Je la hais encore plus qu'avant. Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winter est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre?
Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle m'a payé pour ça. Un peu mon neveu. Bordel, ça s'arrêtera quand ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Quoi donc ? La mission ? C'est pas bien de fumer. Tout ça. 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. Je me demande un truc, j'attends la fin de la cinématique pour en parler. Le BSA est déjà là ? Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans ? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Kenine, je veux savoir ce que le BSA a fou ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. C'est trop bien, ils ont des noms de... On s'était pas battus ensemble, capitaine. C'était quand la dernière fois ? Le désert ? À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'elle ait pris l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle ? Flippant. Inutilisable, c'est quoi ça ? Marqueur de cible, un dispositif laser servant à indiquer une cible. À quoi ça sert ? J'ai déjà un viseur laser. Remède injectable. Ah oui, c'est vrai que oui, oui, lui, c'est pas les petites bouteilles qu'il utilise pour se healer, c'est des injections. Est-ce que je peux crafter aussi Ah non, je peux pas. Enfin, si, je peux, mais pas avec Chris. Oui, donc ouais, je me suis demandé un truc. Yo, tu auras quel mode de difficulté ? En normal, je crois. Je me suis demandé un truc. Sachant que Resident Evil Village se passe 3 ans après Resident Evil 7. Resident Evil Village se passe en 2021. Resident Evil 7 se passe en 2020. 2020, n'importe quoi. Et ça se passe en 2017. Est-ce que du coup, lorsque Capcom doit écrire les scénarios et tout, genre là, ouais, 3 ans à combattre le Mutami 7 et tout machin. Est-ce que du coup, de leur côté, Capcom et tout, lorsqu'ils doivent écrire les scénarios, genre, est-ce que lorsque Resident Evil 7 est sorti, ils avaient déjà le scénario de Resident Evil Village en tête pour savoir que ça allait se passer 3 ans plus tard pour pouvoir sortir le jeu en 2021 et, coïncidence, l'histoire de Village se passe aussi en 2021. Genre, à ce rythme-là, en fait, ça voudrait dire que Resident Evil 9 va se passer en, je sais pas, je dis des conneries, en 2025 et Resident Evil 9 sortira en 2025. Donc je pense pas, bah la coïncidence est quand même grosse quand même, parce que bon, Resident Evil 7 se passe en 2017 et le jeu est sorti en 2017, et Resident Evil Village se passe en 2021 et le jeu se passe en 2021, donc voilà quoi, c'est, donc ouais, c'est 2021 en 2022, c'est pas si dur, donc je pense pas. Bah non, ça voudrait dire en fait qu'il faudrait refaire tous les doublages et tout machin, donc ce serait un peu compliqué quoi. Donc ouais, je me pose la question quoi, c'est pas en 2020, non, c'est 2021. Ou alors si, 2020, je sais plus. Bon, vous pouvez vérifier ça, si s'il vous plaît, allez voir sur les wikis et tout. Enfin, ceux qui ont fait le jeu, bien évidemment, si vous n'avez pas fait le jeu, allez pas vous spoiler. Mais il me semble que c'est 2021. Ah, hein. Regardez ça. Le BSA. Ils vont trop loin. Salut le Bigrosso. La vache. Ça a l'air chaud, là. Aïe. Comment comptez-vous atteindre l'objectif ? D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Ouais. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Le Megami 7 pose Faites trop de problèmes. Faites attention aux armes biologiques. Compris. Contact établi avec un groupe d'armes biologiques. Ils sont plus nombreux que prévu. Attention. Ah.
C'est tellement plus agréable de jouer sur un PC qui fait bien tourner le jeu, parce que vraiment, sur mon ancien PC, ce passage, je galérais, je laguais de ouf. Quand je bougeais ma souris, ça laguait, enfin c'est... Y'a pas à dire, jouer sur un bon PC à un jeu de tir, c'est un luxe que je souhaite à tous ceux qui me regardent. Ça serait chaud de faire coïncider les dates. Bah, faudrait une organisation d'enfer et être sûr et certain que ton projet, tu vas le sortir à la date prévue, quoi. Ou alors qu'ils soient assez avancés dans le développement pour être sûr qu'ils le sortiront à cette date, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout ça, c'est du Mutamiset. C'est sûrement là que Miranda se trouve. On y va. 2020, 2021, les deux années, c'était pourri. N'empêche, 2022, c'est aussi pourri, mais bon, enfin, un peu moins que 2022, que 2021, 2020, 2021 quand même, mais bon, c'est... Ça reste une année un peu pourrie. Hein. Gardez bien vos masques. Entre les incendies et tout, là... le Covid qui fait toujours un peu chier. Je m'attendais vraiment pas à ce que le BSA aille jusque-là. Eux aussi, ils surveillaient Miranda. Ils ont dû se dire qu'il fallait intervenir. C'est-à-dire qu'avec Ethan, ces bestioles, je galérais à les tuer. Hey chef, c'est moi. Je suis en train de préparer le tir d'appui. J'en ai pour une minute. Compris. Ici Tundra. J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons, capitaine. Servez-vous. Mais je ne me servir, merci. Quand tu auras le Magnum Steak en munitions illimitées, tu pourras faire le mode VDO tranquille. Comment on fait pour avoir le Magnum illimité, ouais, d'ailleurs? Parce que je sais que c'est possible de l'avoir. Magnum munitions illimitées, mais comment on fait? Faut pas genre terminer le jeu en difficile? Underrise, t'es toujours avec moi? Je vous vois. Objectif à 200 mètres. De munitions, what the fuck. Mon dieu, oh. J'ai jamais entendu parler d'une colonie de Mutamiset aussi grosse. Attends, je t'ai tiré dessus à bout portant. À quelle heure t'es pas mort là? Alors t'es juste par curiosité, je voudrais voir un petit truc rapidos. Oh, ça va. Ça va, ok, excusez-moi. Ok, le Jean-Michel crétin là qui m'a attaqué dans le dos là. Oh puis zut hein. Voilà. Ils me font yesh au bout d'un moment. Il m'a pris pour un jambon à host ou quoi là? Si ma pauvre mère voyait ça, elle penserait être en enfer. Ah putain, on va se soigner. Allez, vite, mais recharge plus vite! Putain, il met 500 ans à se recharger cette mitraillette, quoi!
Oh la vache. Si tu finis R8, tu feras quoi comme live? Je sais pas encore, je verrai. Ça y est, je suis dans la cible. Risotto à Heisenberg, qui peut gagner? Ah, faut y réfléchir. Ok, bien reçu, chef. Ah, c'est pour ça le marqueur de cible, ok. Ok. Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Attendez, je vais te voir, vite. Tu dois avoir 2 millions de lei pour l'acheter, l'améliorer au max et aller à la boutique puis acheter steak et l'un et acheter steak et l'un illimité. J'ai pas compris, c'est... Ouais, en gros, il faut enfin, c'est comme le lance-roquette infini dans RE4 quoi, faut avoir max de thunes quoi. Je vois le genre. Donc faut terminer le jeu plusieurs fois quoi. Pas d'autres trucs possibles. Ah, j'ai un couteau sinon. Bon, je pense pas que c'est ça qui va... J'ai une grenade assourdissante. J'attends de consommer ma dernière grenade. C'est pour cette raison que je jouerai jamais un jeu d'horreur. Je perdrai mon sang-froid lors des moments de shoot them up. Ah bah, chacun son type de jeu. Hein. Alors là... Oh merde. Attends. Grenade à main. Approchez mes mignons. Ok, c'est prêt. Où est-ce que je dois tirer? Putain, mais... Il veut pas recharger, hein. Putain, ces salopés utilisent des armes. Je suis sûr qu'ils se disent la même chose de toi. Il y a de plus en plus d'armes biologiques. Vas-y, attends, je vais grenade flash, parce que là... Est-ce que le marqueur de cible fonctionne? C'est un groupe dans cette montagne, côté est. Je suis pas loin, je me charge d'eux. Prenez ça. Tire, nom de Dieu, mais Pira, ça consomme... La mitraillette, elle consomme 30 balles par recharge et la mitraillette, elle met très longtemps à se recharger, en fait. Quand je tire pas, c'est que j'ai 0 balles, en fait. En fait, comme il y a mon avatar, je viens d'en remarquer que maintenant, après tous mes streams. J'ai préparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Je n'ai remarqué qu'après plusieurs trucs de stream, mais comme il y a mon avatar, vous pouvez pas voir le nombre de munitions que j'ai. Donc c'est un peu fâcheux. Faudrait que je vois genre. Oh attendez, j'ai une idée. Attendez, je vais bidouiller un petit peu. Hop. Ouais, par contre, streamer deux fois le jeu, ça va... J'espère que ça va pas être trop pour mon PC, mais... Laissez-moi voir. Oh non, c'est très très large. Hop. Je suis désolé, vraiment, alors qu'on est presque à la fin du jeu. Oh, merde. Ah, voilà. Alors qu'on est presque à la fin du jeu, j'y pense que maintenant. On va faire genre comme ça. Hop.
Oh merde. Bon, bah voilà, voilà. Au moins là, je vois ce que je voulais voir. Hop. 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 Ah, c'est pas mal comme ça. On va juste bouger encore un petit peu. Hop. Voilà, là comme ça c'est yimbe. Voilà. Maintenant vous pouvez enfin voir le nombre de munitions que j'ai après je sais pas combien d'heures de stream. Voilà, maintenant vous voyez combien j'ai de munitions et tout machin. bordel, j'y pense que maintenant je suis vraiment un trou du cul. Bon, alors bah let's go hein. Oh non, encore lui. Ah non, il a une massue différente lui. Par contre, ouais, je vais mourir là, j'ai presque plus. Ah non, si, c'est bon, j'ai. Ok. Ah, son point faible est dehors. Il va me falloir un coup de main. Chef, c'est une terre. Il y a une ouverture au-dessus, utilise-la. Ok, j'arrive. Merde. Aïe 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 aïe. Il est juste au-dessus, chef. Ok, j'ai pas indiqué la cible. Oh. Alors, ouais, parce que je vois... j'ai des grenades à main, c'est bon. Hop. Let's go. Aïe 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 aïe. Ok capitaine, c'est bon. Quand vous voulez. Putain. Dit. Non, c'est bon, t'as pas besoin. Où est-ce que je dois tirer? T'as pas besoin de recharger, c'est bon. Où est-ce que je dois tirer? Bah. Là où tu penses. Vous autres, restez en surface. Je dois aller où? Ah voilà. Poup. Ouais, c'est tout de suite mieux quand on voit le nombre de munitions que j'ai. Comme ça, vous aurez pas à dire. Mais putain, mais tire! Donc, si Miranda était la fausse Mia, ou est la vraie? À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Je dois tirer dans le ciel pour célébrer ma victoire. Oh. C'est le méga missette. Ouais non, pas en tirant une balle que ça va tout détruire. Ah! Doublage? Doublage! Les doubleurs sont partis fumer une clope ou bien? Est-ce que j'ai fait tout bugger en tirant sur le méga bicette avec mon flingue? On fout le camp et on fait tout sauter, pas avant d'avoir tué Miranda. Je veux être sûr de l'avoir cette fois. Elle est pour moi. Bien reçu, on bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie.
Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard maintenant. Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même, vous auriez dû le mettre au parfum. Merci. Ouais. Merci. Fallait prévenir, c'est pas compliqué, merde. Ok, hop. Ça doit être le labo de Miranda. Ah, on va avoir des infos très intéressantes ici. Alors, ah là c'est... Ok, donc là c'est Moreau. Alors, nom du sujet, Salvatore Moreau. Affinité avec le Mutami 7, le Cadou, pardon. Affinité avec le Cadou, faible. Fonction cérébrale, étonnamment basse. Non, sérieux? Le Cadou a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps, développant des organes semblables à des branchies de poisson et même une vessie natatoire. Qu'est-ce que c'est une vessie natatoire? Je sais pas. Excusez-moi. De plus, une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant. Le sujet est incapable de contrôler sa transformation. Trop de défauts, une enveloppe inadéquate pour Eva. Ouais. Pauvre Eva, si elle doit être incarnée là-dedans. Hein. Alcina Dimitrescu. Mami! Affinité avec le Cadou, très favorable. Fonction cérébrale normale. Sa vitesse de régénération est exceptionnelle. Elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes et faire pousser ses ongles pour obtenir de longues griffes en un rien de temps. Ceci entraîne également une croissance excessive de son corps. Il est à noter qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives. Si l'équilibre métabolique du sujet venait à être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon incontrôlable. Du coup, c'est le coup, c'est le coup de couteau qu'on lui a mis là. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Heisenberg, on va le garder pour la fin. On va lire pour Donna. Vas-tu faire The Quarry? Je me suis spoilé la fin et tout parce que j'ai entendu que c'était une espèce de suite spirituelle de Until Dawn et tout et que c'était assez nul à chier. Et au final, j'ai vu de quoi ça parlait et tout. Et ouais, bah en gros, c'est Until Dawn mais avec des loups-garous au lieu de Wendigo quoi. Enfin, voilà, c'est. Du coup, non, je le ferai pas. Nom du sujet, Donna Beneviento. Affinité avec le Cadou, favorable. Fonction cérébrale, normale, malgré des troubles mentaux sévères. À première vue, rien ne la distingue d'un être humain ordinaire. Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le Mutami 7. De plus, lorsque des humains absorbent le pollen d'un certain type de fleur, elle peut leur faire avoir des hallucinations. Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a réparti son Cadou entre ses poupées afin de les contrôler à distance. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Tant mieux, il est très décevant. Ah, vraiment, ouais, ok, nickel. Au revoir, et j'aime pas le tiramisu. Pas de soucis, Sean, y a pas de soucis, je comprends tes goûts et ne reviens plus jamais sur mes streams, tu n'es plus le bienvenu. Non, je déconne. Mais quand même, essaie de te purger un de ces quatre. Et enfin, Heisenberg, Karl Heisenberg. Affinité avec... Ban autorisé. Non, pas le ban. Karl Heisenberg, affinité avec le Cadou, extrêmement favorable, fonction cérébrale normale. Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des raies électriques appelés Narke Japonica. Encore une de ces japonaiseries là. Karl Heisenberg-san! Pardon, désolé. Ces organes sont reliés à son système nerveux. Il peut contrôler et conduire l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Un spécimen remarquable mais toujours inadapté pour Eva. Ouais, du coup, il y a plein de photos. Un petit fœtus. Ah, ça c'est les photos du premier jeu, ça. C'est les photos du premier jeu qui nous apprend que du coup Miranda était une des scientifiques qui bossait sur le virus d'Evelyn. Et que du coup elle a une connexion avec Connection MDR. Du coup ça c'est Evelyn. Je me demande si du coup c'est une vraie petite fille qu'ils ont pris pour le jeu et tout ou si c'est une petite fille qu'ils ont générée par ordinateur.
Oh putain, c'est vrai, il y a les trucs de... Bon, bah attendez, il y a de la lecture là, on va faire ça en ASMR pour le coup, voilà, pour la minute ASMR de Valentine. Alors, Eva, cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché de moi. Pardon, désolé. J'étais tellement impuissante à l'époque, mais aujourd'hui, je vais pouvoir te faire sortir du mécamisette et te ramener à la vie. J'ai dû tester les capacités régénératives de ta nouvelle enveloppe. Après l'avoir démembré, je l'ai ressuscité grâce au calice des géants qui régule le butamisette. Je rigole parce que je dis des trucs horribles en ASMR et du coup ça décale totalement. Il ne reste plus qu'à la fusionner au mécamisette. La cérémonie peut enfin commencer. J'appuie sur le mauvais bouton, j'appuie sur F au lieu de D. Après t'avoir perdu, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre, mais c'est là que j'ai découvert le mécamisette complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Oh Pira. Les mécamisettes décomposent et absorbent la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait un moyen de te ramener. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Ah bah écoute, il fallait passer par Colissimo, ma belle. Lorsque je suis retourné au village, j'ai introduit de la moisissure au Mécamisette dans les villageois. De cette manière, j'ai pu les contrôler et mener des expériences sur eux. J'ai fait cela sur des centaines de personnes dans le seul but de trouver une enveloppe parfaite. Pour plus d'efficacité, j'ai même créé un parasite que j'ai baptisé Cadou. Malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. Certains sujets comme Alcina étaient presque parfaits, mais la plupart se sont transformés en Lycan. J'ai ensuite été contacté par une organisation souhaitant m'aider. Je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi que ton ADN. Tout ce qu'ils sont parvenus à créer, c'est Evelyn, un autre échec. Ah, mais du coup, Attends, j'ai ensuite été contacté par... Ah, ok, donc en fait ça veut dire que la moisissure. Ok, je comprends que maintenant parce que oui, du coup, c'est... encore une fois, Village, je l'ai fait il y a longtemps. Donc... Mais ça veut dire que du coup, ouais, le Mégamisette, c'est la moisissure originelle. Et les connections, en fait, genre en gros, elle était en train de bosser sur la moisissure et tout. Et puis après, t'as Connections qui est arrivé vers Miranda. Ils ont fait, hey, ça te dit faire une OPSP avec nous, vas-y, on prend un peu de ton truc et puis on fait notre propre truc à nous, quoi. Et du coup, voilà, tu seras rémunéré en visibilité. Et du coup, c'est là que du coup est venu Evelyn et du coup, tous les événements de RE7. Mais du coup, la moisissure de RE7 a eu lieu, genre pendant les événements de RE8 qui ont eu lieu avant tout ça, en fait. C'est. Voilà, je crois que j'ai compris, mais je sais pas. Désolé. Du coup, je reprends. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et j'ai compris quelle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contretemps, j'ai pu vérifier son aptitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. Mais bon. Oh, oula. Je dois passer pour un demeuré. À vouloir mettre la photo droite. Oula, c'est quoi ce gros bout de viande là? La vache, il devait avoir faim. C'est super comme un ASMR, je regrette rien. Tant mieux. Les mains en l'air. Amber Eyes, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. C'est Mia. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? Merci, Pira, pour ton bit. On m'a capturé pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici. Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors, réponds-moi.
Où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. Il est mort. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. C'est pas un bout de viande, c'est une banane, il faut être aveugle. T'es pas en sécurité ici. Comment ça, il est parti? Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non! Tu te trompes! J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Oh, il est spécial! Comme ma maman m'a dit à moi. Oh non, pas cette cinématique. J'ai pas envie de la revoir. Ah mais c'est à moi de jouer. Pardon, désolé, j'avais oublié que c'était une cinématique interactive. Comment je suis arrivé ici? Merde, encore. Allez, Zéphikis. Zéphikia. Connasse. Evelyne, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Enfin, en vrai, c'est pas sa faute, hein. Miranda. Je dois encore sauver Rose. Et non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore. Tu vois, Miranda t'a pas tué. Merci pour le gift sub, Lisco. T'as trouvé ça bizarre? À Fire Frozen. Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein? Souviens-toi. C'est pour ça qu'on peut se prendre des coups de tronçonneuse et tout et s'en sortir indemne en fait. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. Parce qu'il a été contrôlé par ton putain de virus. Même pas tenir debout. Arrête, tout m'embrouille la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? J'ai la boule au ventre sans déconner. De la moisissure. Tu
Je dois sauver ma fille. Déjà mort. Mort. Sauvez. Sauvez. Oh, c'est la fin du jeu. Non, il reste encore le boss final. Là, là on est... I'll save you no matter what. Oh, c'est trop mignon. Il reste encore, ouais, le boss final, là. Et là, on est aux portes, là. On est aux portes du boss final. Attention, le meilleur personnage du jeu. Enfin, il se réveille. Où suis-je ? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil, mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duke, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Oui. Question idiote. En parlant de question idiote, putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous refaudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Ouais. J'ai pas le choix. Faut que je me dépêche. Allez, c'est parti. Sauvegarde. Je peux plus courir. Ok, donc, viens par là, toi. Assurez-vous bien d'être prêt. T'inquiète, j'y compte bien. Alors, je vais te vendre déjà tout ce que j'ai trouvé. Donc, cœur mécanique complexe. La grande masse cristallisée, je la vends. Je sais pas comment elle a fait pour arriver dans mon inventaire parce que c'est Chris qui l'a récupéré, mais bon, c'est pas grave. Cerveau d'Heisenberg, on le vend. Vas-y, on vend la tête de Madalina. Le cigare, on le vend. Et puis c'est bon. Hein. Ok, 180 000 lei, c'est pas mal. Let's go, du coup. Oh, l'union entre la vie et la machine. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. Le magnum. Il est là. Donc, comme je l'ai dit, les 1700 de puissance. Oh là là, il doit déchirer sa race. Oui. Amad Victoria Coram. Des spécialistes en latin qui pourraient me traduire ça? Amad Victoria. Victoria, du coup, c'est la victoire, mais... Que la victoire te soit tienne. Ok, du coup. Bon, vu que j'ai pas mal de thunes, on va donner... Il y a combien de capacités? 5. Ah bah on peut pas améliorer ça. Bon, bah on va donner un coup de boost à la vitesse de rechargement. T'inquiète pas frère, tu vas gagner. Je veux bien te croire. Pour le coup, je viens de croire. Vas-y. Un instant, je vous prie. Oh putain, par contre, wow, il coûte cher à améliorer lui. Hein. Un instant, je vous prie. Bon bah... Voilà, j'ai plus de thunes. Donc, À cause de tout, surtout, soyez prudents. Merci.
C'est gentil. Oh. Mise au fusil sniper, grenade explosive. Vas-y, il y a quelques loot, on va aller les choper. Ok. Alors attendez, du coup, ouais, le magnum. Ouais, du coup, ouais, c'est... Oh putain, j'ai 5 balles en plus, du coup. C'est cool, ça. Alors, on va équiper, du coup, le lance-patate. Le charger. La pompe. J'ai pas beaucoup de munitions, hein, pour la pompe. Hein. Voyons, est-ce que je peux en crafter? Je peux en crafter, mais ça va coûter cher en ressources. Vas-y, attends, le soin avant tout. Mission de pistolet, des bombes tuyaux, mine. Et voilà, je peux plus rien crafter. Bon. J'espère que ça va suffire. Ok, reprendre Rose à Miranda. Bon. Vous êtes prêts pour le combat final, les amis? Je peux plus courir, là j'appuie sur Shift, ça fait rien. Ah merde, je croyais que ça débouchait sur la sortie, mais... Là, je peux courir. Ah, pas le temps de se battre, pas le temps de se battre. Je continue. Let's go! Ah, c'est cool, on fera le boss final pour la fin. Ma petite Eva. Ma fille adorée. Viens à moi. Tu as de très longs ongles. Eva. Ah, c'est des extensions. C'est toi. Tu m'as tellement manqué. Et là, en fait, non, c'est un garçon. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Rose. Il a kiki. Miranda. Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! Pleine tête. Allez, fuis! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et toi, tu essaies de me l'enlever. Je prendrai... Connasse! Connasse! Mes désirs seront comblés! Oh, c'est à moi! Allez, c'est parti! Elle va surgir du sol, je crois. Oulala, 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 oulala. Aïe!
J'ai fini Resident Evil 7 en difficile. C'est pas toi qui va me faire peur. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille et pas la tienne? Ah, ça me démange. Je suis désolé, ça me démange, ça me démange trop. Je veux au moins une balle. Voilà. J'ai triché, j'ai fait deux balles. hop. Salut. Le méga missile m'a sauvé du désespoir. Il m'a prouvé ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. Ne bouge pas. Je te désobéis exprès, connasse. Elle est où? Elle est là. Salope. Elle est où? Après tout, on finit tous. Oui, c'est le cas, mais pas comme ça. Si on peut éviter de mourir comme ça, ce serait bien. Ok, j'ai plus de balles. Hop là, pardon, excusez-moi. Tiens, prends ça! Vas-y. Tu n'es qu'un sale canard. Si j'associe au son dégât. Ma fille va enfin réapparaître! J'ai hâte de ton siècle! Un siècle! Pourquoi ne meurs-tu pas? Je viens juste de le faire, connasse. Allez, on recommence, c'était pas grave. Elle est chaude, de toute façon, Miranda. Elle est assez compliquée, Miranda, comme boss. C'est enfin un vrai challenge en termes de boss final Resident Evil. Par contre, là, on va passer. Tu as rempli ta fonction et ta place. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le blanc. Parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de soins. Ouais, j'ai que deux soins, donc c'est vraiment très difficile, hein. De toute façon, dans tous les cas, j'ai le magnum, donc si jamais je vais lui faire beaucoup de dégâts d'un coup, j'ai le magnum, donc je crois qu'en fait, il y a moyen que je lui, avec toutes les balles de magnum que j'ai, je la mette à genre 70% de sa vie en moins, en fait, donc si jamais je suis vraiment bloqué, j'ai... Oh putain. Si jamais je suis vraiment bloqué... Attends, je reste là. Salut! J'aurais peut-être dû prendre la mitraillette, hein, je pense, hein, parce que là. Là, c'est un peu compliqué, là. Avec juste le pistolet et le fusil, j'aurais peut-être dû vendre mon pistolet pour la mitraillette, parce que... Ah, merde! Parce que là, c'est compliqué avec juste le petit pistolet.
Allez, une cartouche dans le vent. Une autre cartouche dans le vent, let's go. Après tout, on finit tous. Tant d'énergie. Fou, putain, c'est vraiment compliqué là. Bon bah on va y aller au sniper. Hein. Si jamais je réussis pas cette fois, je vais aller à la boutique du duc et je vais vendre mon petit flingue pour reprendre la mitraillette parce que c'est vraiment compliqué là. Ah oui, évidemment. Je peux prendre la forme que je désire. Une bête, une sorcière. Même... Oh, faut y aller en noscope là, j'ai pas trop le choix. Mes coups sont plus lents en oscope. Pour ceux qui disent pourquoi tu n'utilises pas le magnum, je voudrais l'utiliser à la fin. Si jamais il y en a qui se demandent. Mais évidemment. On dirait moi qui regarde des compiles de... Des You Love You Lose, tu sais, genre. Mais les You Love You Lose nuls. On finit tous. Putain, il recommence avec ses boules là. Sauf que là, j'en pète aucune. Ou alors, je vends le sniper. Je pourrais vendre le sniper si jamais. Le sniper il fait quasi aucun dégât, ça me fume. On va essayer les bons tuyaux. Même si là je pense pas que ça servira à grand chose parce qu'elle est constamment en l'air là. Ça a l'air d'être efficace. Bon là j'ai pas le choix là. Oh non putain. Bien, je crois qu'il est temps pour toi, Natasha. Je t'en prie. Non, j'ai pas envie. Pas tant que tu m'en as raconté une histoire. Vas-y, vas-y. Arrive. Koutal, canif, aïe, ah, canif. Salope. Bon, on va baisser la difficulté, même pas en rêve. On va aller à la boutique du Duke. Et je vais voir pour prendre la mitraillette parce que là c'est vraiment compliqué. Là c'est vraiment un vrai boss final parce que dans R7 c'était vraiment scripté de bout en bout, c'était vraiment une honte. Mais là cette fois là c'est vraiment vraiment bien là. Parce que là le sniper, on va vendre le sniper parce que le sniper là il m'a plus handicapé qu'autre chose. Fusil à pompe de combat, fusil sniper, voilà. Oh putain il vaut que ça.
Oh, c'est pas avec ça que je vais pouvoir prendre la mitraillette, moi. Le Wolfsbane, oui, c'est le Magnum. Mais... Ah, comment je vais faire, là? On va essayer, mais... Je pense pas que ça va aboutir à grand chose d'utile, hein. Fusil F2. Ouais, c'est le fusil sniper. Non, la mitraillette, ouais, voilà, c'est 180 la mitraillette. À la limite, ouais, je peux acheter des munitions. C'est toujours ça de prix, mais bon. Voilà. On va essayer comme ça, mais bon, je pense pas qu'il y aura énormément de différence. J'aurais peut-être dû prendre du soin aussi. J'ai vu à la dernière minute qu'il avait du soin. Prends du soin des munitions, achète pas une arme en plus, ça va juste épuiser tes munitions beaucoup plus vite. Non, c'était pas une munition, c'était pas truc en plus, mais là je viens de prendre ouais, des balles de pistolet, parce que là c'était vraiment, là je pouvais pas. Là. Bon, on va essayer comme ça, mais bon, c'est... Au final, ouais, l'histoire du Magnum, ouais, c'était des conneries ce que je racontais, en fait. C'était pas... J'imagine que le boss final est en polystyrène, mais en fait, non, pas du tout, il est un peu plus costaud que ça, quand même. Bon, bah c'est parti, hein. Non, le lance-roquette, y'a pas de lance-roquette dans ce jeu. Tu as rempli ta fonction, Ethan Winters. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamisette. Oh, ne t'en fais pas pour la petite France. Je t'en promets de la rendre vraie. Je peux pas crafter de... J'ai pas d'herbe. Y'a pas une herbe qui traîne, là? Ne crois pas que tu vas t'en tirer. Tu n'as rien. Là, c'est qu'elle va faire son truc de feu, là. Ah, voilà. Pour l'herbe, il y a le dealer du quartier. Ouais, mais il n'y a plus de quartier, justement. Le village est en train d'être détruit. Donc c'est un peu compliqué. Je vais abréger tes souffrances. Vas-y, fais tes boules là. Après tout, on finit tous. Oh putain, il y en avait une dernière. J'aime pas l'impression que ça lui fait quelque chose le pistolet là, ça l'a fait à peine sourciller. Je sais même pas si je vise bien la boule magique cachée. Faut appeler Thierry Beccaro. Subis la colère du dieu des ténèbres. Non, le dieu des ténèbres, il s'appelle Éric Zemmour. Ok, attends, là c'est le moment. Là par contre, là tu m'as vraiment vénère. Ok.
On va reload. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Nickel. Si j'associe son méga moussette, ma fille pourra enfin réapparaître. J'ai attendu un siècle juste pour ma fille. Il me reste un soin ? Ouais, il me reste un soin. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes ? Si proche de la mort, tu n'as pourtant plus besoin de Rose maintenant. C'est ma fille, bordel ! Espèce de malade ! Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment concentré là. Comme c'est un boss fight très très compliqué là. Oh putain. Tant d'énergie. Pourquoi tout ce que tu m'as été inutile? Me voilà. Je ne laisserai personne contrecarrer mes plans. Ok, refais son truc des boules là, on va en profiter pour recharger. Oh là 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 là. Oh, ça me vénère, j'ai l'impression que ça lui fait rien tout ce que je lui envoie. Attends, il masse les bombes tuyaux, c'est vrai, j'avais oublié. Tiens. Voilà. Can et... Ne reviens pas! Je t'ai dit, canne et ne reviens pas! Je me suis fait la même réflexion. Je me suis fait la même réflexion, Lisco. Oh. Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Ah, je vais pas être bien. Ah bah oui. Le Megamissat disparaît, donc forcément, toi aussi. Oh non, je vais encore chialer. Je sens que je vais encore chialer. Ethan!
Ethan! Allez, Ethan. Allez, Ethan, lève-toi. Merci pour les 100 bits. Nadak. Chris, Ethan. T'as réagi. Tu l'as eu. Je crois que... Mais aussi. Je suis pas bien. Il faut qu'on bouge. Ce sont des larmes d'homme, il n'y a pas de honte. Putain de méga bicette. T'arrêtes pas, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé. Hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Ah, je suis pas bien. Merde. Adieu, Rosemary. Ethan. Non, tout ça c'est la faute de Miranda, Pyra. C'est elle qui a créé le virus. Rose. Allez. Allez, on décolle. Vite. Chris. Où est Ethan? Dépêche-toi, il faut qu'on s'éloigne. Non, hors de question qu'on s'en aille sans mon mari. Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris! Dis-moi ce que tu as fait! Il est mort! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine! Faut que vous voyez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Vos ordres, capitaine? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer. Pas cette chanson. Bon. Bon bah ça y est.
On a fini Resident Evil Village en live. Je me suis enfin vengé. Ah, pas cette chanson. Je peux pas l'entendre. Là, pour vous dire, en fait, pour ceux qui savent pas, première fois que j'avais fini le jeu, il y a qu'un seul témoin parce que j'avais joué avec lui et tout en stream sur Discord et tout machin. J'ai fondu en larmes, mais pendant tous les crédits. Jusqu'à la scène post-crédit, pendant tous les crédits, j'ai pas arrêté de chialer. J'étais pas bien du tout, vraiment. C'est à tel point qu'après, il y a mon frère qui est venu me voir et tout pour me dire oh, « Putain, mais pourquoi t'as pleuré comme ça et tout ? On dirait t'as perdu ta mère. » Parce que j'avais perdu quelqu'un de cher, un perso sur lequel, duquel je m'étais attaché grave. Parce qu'en plus, le pire, c'est que j'avais fait Resident Evil... J'avais fait, juste avant de faire Resident Evil 8, j'avais fait Resident Evil 7 il y a quasi pas longtemps que ça, quoi. Il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, bah j'ai... En l'enchaînant, du coup, je suis grave attaché au perso de... Non, c'était pas toi, Pierre. J'étais pas bien, quoi. Enfin, vraiment, j'ai... Parce que je m'étais attaché au personnage d'Ethan et... Bah, le voir crever, j'étais pas bien, quoi. Vraiment, j'étais en mode, non, c'est pas possible. Il va y avoir la scène post-crédit et tout, il va revenir, En fait, il est vivant et tout, voilà. J'étais pas bien, quoi. Je refusais. J'étais en mode, j'étais dans le déni, en fait. J'étais dans le déni total de cette fin, quoi. J'étais vraiment pas bien du tout, quoi. C'est... Ouais, du coup, ouais, pour... les quatre nobles, c'était les personnages, du coup, de la... C'était les personnages, du coup, de l'histoire du début. La chauve-souris, c'était Dimitrescu. La faucheuse, c'était Donna. Le poisson, c'était Moreau. Et le cheval, c'était Heisenberg. Et la sorcière, à la fin, c'était... Miranda. Mais sauf qu'il y a une part de l'histoire qui ne nous a pas été racontée. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria « Sauve notre fille !» La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même... que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Voilà. Go se faire les DLC. Allez, let's go, on va avancer le temps pour pouvoir faire les DLC plus vite. Les DLC sortent en octobre, Valentine, donc ça va être un petit peu compliqué de les faire maintenant. C'est lequel de perso préféré, Ethan Winters? Est-ce que c'est vraiment une question? Oh putain. Bravo d'avoir terminé, certes une deuxième fois, mais GG champion, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je suis pas bien à la fin. Je suis quand même... Enfin, je constate vraiment, je suis toujours aussi dégoûté de pas avoir pu le faire en live, en blind. Parce que vraiment, c'était... Ah, ma première expérience, elle était vraiment très très cool. Non, c'est la faute de Miranda, c'est elle qui a créé le virus, donc c'est elle qui est à l'origine de tout. Arrête de tout jeter sur Mia, putain. Mon Resident Evil préféré, c'est un peu compliqué parce que je les ai pas tous faits. J'ai pas fait le 2 et le 3, je pense que je voudrais les faire en live, le 2 et le 3. Le 2, j'ai fait juste le début, mais je suis pas allé super loin. Donc, mais là, je pense que je vais... Là, prochaine fois que je fais un jeu en live, ce sera pas un Resident Evil, je pense. Je vais au moins faire un autre jeu pour changer un peu. Bah, Léon Kennedy, c'était mon préféré. Jusqu'à Ethan Winters, en fait. Et du coup, bah voilà, bah... T'as Léon, il est à la deuxième place, en fait, dans mon classement. Ouais, bah, TG Pira. J'ai acheté Biohazard et Village pour ma sœur, bah, c'est bien. Mais voilà, mais ouais, après pour mon Resident Evil préféré, ouais, je saurais pas dire, mais en tout cas, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est bah le 4 et le 8, je dirais.
Un Persona 5 en live, par contre, on le fera. Je te connais grâce à tes vidéos. Bah, c'est gentil, Axel. Axel Pixel. Bah, moi, ça va bien, en tout cas. L'œuvre t'a touché, une réaction comme ça, c'est normal. C'est qui ton noble préféré? J'aime beaucoup Dimitrescu et Heisenberg. Je pourrais pas choisir un des deux. Les deux, je les aime beaucoup. Un peu de joie dans tes lives. Ouais, ouais, au moins, vous m'entendez pas chialer comme une madeleine, parce que vraiment, j'ai chialé pendant tous les crédits. Jusqu'à la scène post-crédit et tout, j'ai pas arrêté de lâcher une larme. J'étais vraiment pas bien. Premier degré, j'étais vraiment pas bien. Ah, putain. Bon, en tout cas, voilà, bon, le live va bientôt s'arrêter. Du coup, attendez un petit peu, on va quand même mater la scène post-crédit avant. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ce jeu. Là, j'ai pu me venger bien comme il faut, là, parce que... Ah, j'étais vraiment découlé, j'étais vraiment dégoûté de pas avoir pu le faire en live, le jeu, donc... Des petits noms qui pleurent, impossible de voir ça. Ah, si, ça arrive, hein, ça arrive. Personne ne saura jamais à quoi ressemble Ethan, un perso sans visage. Bah, sauf si le DLC nous le permet, vu que dans le DLC on va pouvoir faire l'aventure en troisième personne. Bah, techniquement, parce qu'en plus c'est cinématique aussi, parce que pour ceux qui ne savent pas, le jeu, du coup, va y avoir un mode de pouvoir officiel pour pouvoir jouer en troisième personne avec Ethan et tout machin. Et bah, il y aura peut-être la possibilité, du coup, de voir son visage, parce qu'en plus ils vont devoir réarranger les cinématiques et tout, parce qu'ils ont dit ouais, il y aura de nouvelles cinématiques, enfin les cinématiques et tout, ce sera sous un nouvel angle et tout machin. Donc ouais, bah on verra. Tu comptes faire toujours une animation où les antagonistes du jeu discutent et prennent noté? Non, je pense pas, non. Alors, par contre, je vous avoue que j'ai un peu chaud, donc j'allume mon ventilateur, je suis désolé d'avance si vous l'entendez. Ouais, non, je ferai pas ça. J'ai rattrapé mon retard pour Pokémon boucle à foutu juste après le live. Oh, ça va, t'as pas beaucoup de retard à rattraper, hein, y a deux épisodes de 8 minutes, donc... Vu que j'ai acheté le 7 et le 8, me prend en otage H24 pour que je joue avec elle. Ah bah, il faut, hein, ces deux jeux à vie. Ah putain. En fait, là, j'ai bien envie de passer les crédits, mais j'ai peur que si ça passe les crédits, ça va aussi passer la scène cinématique, en fait. Donc je laisse filer. Qui s'est tapé une invasion zombie alors qu'il allait faire son stage de police? Non, pas stage! Non, Springtrap, c'était pas son stage! C'était son premier jour en tant que policier! Léon, c'était son premier jour en tant que policier! Il faisait pas un stage, hein! Tu fais pas de stage à la police, de toute façon, c'était son premier jour, et premier jour, son équipe se fait décimer devant ses yeux par une invasion zombie! Donc voilà, tout un village rempli de villageois infectés par un virus, où se trouve la fille du président des USA. Ouais, j'avoue quoi, le fait d'avoir supporté Ashley, ça en fait un gros personnage. Mais on est plus attaché à Ethan, parce qu'Ethan c'est vraiment un perso qui est vraiment humain, quoi, tu vois, parce que Léon il reste professionnel, quoi, c'est genre vraiment, c'est un policier, il est engagé par les présidents de la République, président de la République, n'importe quoi. Et voilà quoi, mais Ethan c'est vraiment un perso humain, parce que c'est un père de famille et tout machin, mais bon, ouais, voilà. Appelez Spira, pas de soucis. Ah, voilà, chut. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu dis des bêtises, je ne pense pas que... Pour moi ce soir c'est genre... entre 21h et minuit, tu vois. Mais là, j'avais envie de live, c'était soudain. Oh putain, Rosemary. Salut papa.
Joyeux anniversaire. Oh. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est. Oh putain. Évidemment, quand on parle du loup... Laissez-la se recueillir, merde. Le devoir m'appelle. Je t'aime. Je suis pas bien. Laissez-la se recueillir à la tombe de son père, merde. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Oh, Wesker Junior, justement, là. Aujourd'hui, on a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Ah, c'est vachement drôle, hein. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. Je peux regarder ton historique internet. On la neutralise. Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. Oh, il y a quelqu'un. Ou alors c'est un arbre. Au fond, je crois voir comme une silhouette. Ah, je crois que c'est juste un arbre. The father's story is now done. Ainsi s'achève l'histoire du père. h 55, c'est moins que ma première, mon premier gameplay. J'avais terminé en 9h, je crois, le jeu. Après, bon, c'est normal, je connaissais déjà le jeu. C'est vraiment quelqu'un? Bon, bah tant mieux alors. Les données de la partie complétée ont été sauvegardées. Et bah voilà, les amis, nous avons terminé Resident Evil Village. En live, la revanche est complétée. Bon, maintenant je vais devoir réfléchir à quel jeu je vais pouvoir faire en live la prochaine fois. Je vais regarder dans ma liste, j'ai quelques jeux, mais bon, j'y réfléchirai. Bon, possiblement peut-être, vu que là j'ai fait un jeu que je connais déjà, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un jeu que je connais pas pour le faire en live, là ça pourrait être sympa. Enfin, bon. What the fuck, c'est quoi ça? Ah ok, d'accord, c'est juste mon père qui... C'est juste mon beau-père qui arrose le jardin. J'ai vu un gros jet d'eau passer, j'ai envie de... Putain, qu'est-ce qui se passe là? Waouh, de l'eau. Enfin bon, est-ce que le live vous a plu? Moi en tout cas j'ai passé un bon moment. Spyro le dragon? Non, pas très envie de faire un Spyro. La dernière fois que là j'ai fait du Spyro en live, voilà quoi, c'était pas très... Très... Enfin, je me suis perdu au bout d'un moment, quoi. Enfin, on va raid quelqu'un. Je vous dis tout de suite, ne partez pas tout de suite. Je vois que voilà, j'ai une amie artiste là qui est en plein live. Bon, je sais pas si elle va arrêter dans le live dans un peu de temps. J'aimerais que vous allez lui passer un petit coucou de ma part. C'est Nabucco. Elle a fait déjà quelques dessins pour moi. Elle est très très gentille. Je vous invite à aller lui passer un petit bonjour. Allez, moi sur ce, je vais aller me reposer, enfin me reposer un petit peu, parce qu'après, bon, c'est reposer type manger, et après, bah, je vais taffer un petit peu. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce live. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement, moi ça va, j'ai de la pluie, du coup, j'ai pas trop besoin de le faire, mais je le fais quand même, parce que c'est important. N'oubliez pas que le tiramisu est le meilleur dessert du monde, mes chers tiramibos et tiramisis. Passez une bonne soirée, et à la prochaine. Pardon, arrivederci.